Babou, il a été emprisonné. Vous l'avez combattu, vous avez menti sur lui, il est revenu. Tu penses que tu dois lui demander pardon? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a une situation dans le pays. Et puis bon, il y a eu 3000 morts. Mm-hmm. 3000 morts, il y a quelqu'un qui a été arrêté. C'est vrai qu'il aurait dû avoir une enquête dans tous les camps, etc. Mais bon, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont purgé une peine. Après, ils ont été libérés. Je ne veux pas demander pardon à qui que ce soit. Voilà. J'ai juste une pensée pour les 3000 morts. Parce qu'il y a eu 3000 morts et il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Ouais, on ne sait pas qui les a tués. Qui a tué qui? Tu vois? Non, les gars sont morts. Et puis, non, mais c'est ça. Non, non, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges de coups de fil avec le président à des moments où... Non, j'ai rencontré effectivement des présidents, mais bon, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Quand j'ai rencontré le président Ouattara, quand il était au golf pour la première fois, je lui ai dit, monsieur le président, félicitations, mais sachez que nous, on a critiqué Gbagbo, on a critiqué Guéhi, Bédié, etc. Et que vous êtes là aujourd'hui, vous aurez droit à ces critiques-là, aux mêmes critiques. Et quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, je continue à critiquer. La politique en Côte d'Ivoire, c'est très très difficile, c'est la sorcellerie quelque part. Non, ça va être au-dessus de la sorcellerie. C'est grave, tu vois. Donc tout le monde a sa place ici. Je pense qu'aujourd'hui, les gars sont entre eux. Ça dit que tous ceux-là, excusez-moi du thème, mais ils ont tous... Ils se sont tous mis ensemble. Hein. Oui, un moment ou un autre. Je me dis, en Côte d'Ivoire, je dis que ici, la politique, c'est un peu comme du Djanduya.